Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnes Automobiles. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage, donc un Volkswagen Tiguan édition Karat. Donc édition vraiment très très bien optionnée chez Volkswagen. On va trouver un 4 cylindres TDI, donc développant 190 chevaux avec une boîte de vitesse automatique, donc la fameuse DSG7 Rapport. Détail donc en chrome gris, extérieur en blanc. On y retrouve ses jantes d'origine Volkswagen, donc en 20 pouces, en gris, le logo 4 motions. Donc c'est un véhicule DG matriculé en France, donc pas de malus écologique à prévoir. Il totalise 114 700 km. Première mise en circulation le 5 mars 2018 et est affiché au prix de 27 900 euros. En termes d'options, on est très bien servi, GPS, caméra. On a également le CarPlay, Virtual Cockpit, siège chauffant, détection d'obstacles avant-arrière. On a les jantes aluminium. Donc en 20 pouces que je vous ai montré d'origine constructeur, mais c'est une option. Détection de fatigue, front assist et également le line assist. Donc le régulateur adaptatif avec le gros logo Volkswagen qu'on a vu donc à l'avant. On a également hayon électrique, l'attelage électrique d'origine Volkswagen. Et c'est une voiture en 7 places. Donc si jamais vous avez une grande famille, c'est un véhicule idéal. Donc vous pouvez prendre jusqu'à 7 personnes dans le véhicule. Vous pouvez bien évidemment rabattre les sièges. Vous avez ici le bouton pour l'attelage. Hayon électrique sur ce véhicule, logo Tiguan, 2 litres TDI, 4 motions donc pour 4 roues motrices. Au niveau du diffuseur, pas de sortie d'échappement apparente, on a ces fausses sorties, donc une de chaque côté. À l'arrière, insert décoratif, tissu avec un peu d'aluminium. On a les fameux sièges, donc la sellerie typique qu'on trouve sur les éditions Karat de chez Volkswagen, que ce soit Tiguan, Golf, etc. Tissu Alcantara. On a également la partie clim avec des prises de charge pour les passages arrière avec des petites tablettes. Donc voilà, logo 4 motions. Véhicule familial, très sobre, très discret. On voyait le gros logo à l'avant qui veut dire que ce véhicule possède le régulateur adaptatif. Donc comme à l'arrière, insert de décoration, aluminium, du cuir, bouton pour le coffre, seuil de porte en alu. Donc les sièges semi-baquets, donc comme je l'ai dit, spécifique à Karat, avec aluminium, tissu, réglage manuel. On retrouve le fameux volant Volkswagen avec commande volant, on a également des palettes. Virtual cockpit, le GPS, la boîte DSG7, démarrage sans clé, tous les modes de conduite, le auto-hold, le park assist, start and stop, la partie clim avec les sièges chauffants. On va démarrer le véhicule. Bien évidemment, le double des clés fourni avec. Un rangement, porte-gobelet. Tout ce qu'il faut pour être confort lors de ces trajets. On a les GPS des phases 2. C'est un véhicule en phase 2 avec les nouvelles interfaces, Virtual Cockpit. Donc nous sommes situés à Barraqueville, en Aveyron, près de Rodez. Vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente. Donc large gamme, large choix de véhicules premium. Nos annonces sont visibles sur notre site internet bonnefisautomobile.com, mais également sur les plateformes de revente telles que Le Bon Coin ou encore La Centrale. Si vous désirez également suivre notre actualité, je vous invite à regarder nos réseaux sociaux, donc Bonne Fils Automobile, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Donc juste ici, on a des trappes, par exemple, pour mettre du rangement, souvent des lunettes de soleil. Voilà, on va être vraiment sur un véhicule familial. Celui-ci, en plus, a l'option d'avoir deux places en plus, donc possible de mettre ou d'enlever dans le coffre. Donc un total de 7 places. Qui est très pratique si vous avez une grande famille. Donc sur un véhicule de ce type, un Tiguan, donc on parle pas d'un Touareg, on n'est pas sur le SUV le plus gros de chez Volkswagen, mais on a quand même 7 places. Après, comme d'habitude, véhicule routier très confortable, très bien insonorisé. On est en plus en diesel avec du couple, on n'a pas besoin d'écraser trop la pédale d'accélérateur. Voilà, on est déjà aux limites de vitesse. Vous voyez, on est presque en réserve. Et on a encore 170 km d'autonomie avec l'ordinateur de bord. Donc, ce qui est vraiment très très bien. Donc très bon point encore, véhicule économe.
Pareil pour son gabarit, c'est excellent. Donc nous en avons déjà fini avec la présentation de ce Tiguan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais.